Et maintenant, j'accueille Pascal Sevran. Pascal Sevran, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'ils sont très copains. Vous savez, ils ont fait de la prison tous les deux. Enfin, lui, non, non, Jamel dans un film et Jean-Christophe pour de vrai. Donc ça crée des liens, ils ont vraiment quelque chose. Il disait qu'il perdait au change, cet enfoiré. Ouais. Il préfère être à côté d'Astrid Veillon. Ouais. Ah bah oui, ils sont branchés qu'Astrid Veillon, ça y est. C'est peut-être vous l'homme curieux, ambitieux et cultivé. Oh, ah, Astrid, on cherche en même oui, temps. Oui, mais bien sûr, mais c'est bien, merci, merci beaucoup. Faut pas nous en vouloir. Comment ça va? Ça va. À l'époque de François Mitterrand, vous êtes vu beaucoup, j'imagine. Pas beaucoup, non. Ah bon? Pourquoi? Non, j'ai vu beaucoup Gilbert, mais on s'est croisés quelques fois. Mais il était moins souvent à Solutré, mais on s'est croisés. Ouais. Je n'étais pas à Solutré, j'étais très souvent à l'étranger. Oui, c'est voilà. Le fils d'à côté, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, il était voilà, le moins Mitterrand des Mitterrands. Vous faisiez partie de ce qu'on appelait les mousquetaires du roi, avec Jack Lang, Pierre Berger, Kiegemann. Vous voyez toujours les trois autres mousquetaires, ou ça s'est un peu distendu les liens? Non, je les vois, bien sûr. J'étais très, très content d'être avec eux, j'étais très fier de ça. Oui, mais aujourd'hui? Je les vois souvent, oui. Ouais. Vous l'avez aidé quand il a été dans la merde, là? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire la révélation ce soir de quoi que ce soit, je ne vais pas parler de ça ce soir. Ah bon, pourquoi? Parce que ce n'est pas convenable, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Non, mais il était en taule, les juges. Oui, j'ai entendu dire. 5 millions de francs, vous l'avez appelé en disant, moi je te file... En supposant, cher Thierry Ardisson, en supposant que j'ai appelé, est-ce que vous imaginez que je vais vous dire ce soir que j'ai appelé? Mais si, pourquoi? Eh bien non, pas du tout. Mais tout le monde dit la vérité ici. Oui, moi aussi je vais la dire. Vous n'êtes pas venu pour mentir là? Non, mais vous savez, il y a beaucoup d'émissions de télévision où on parle beaucoup de tout le bien qu'on fait, toutes les belles choses qu'on fait. Oui. On veut parler de tout ça, mais le reste, je viens de dire oui, fais là. Ce que j'ai à faire. Non, 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 non. Si, vous avez je dit... viens pas de dire oui du tout, j'ai rien dit du tout. J'ai fait du bien. C'est pas à moi qu'en tout cas de poser la question. J'ai entendu, j'ai donné 500 000 moi. Non, non, non. Je n'aime pas beaucoup ça. Non, non, voilà. Non, mais Thierry, je vous en veux pas du tout, mais c'est pas un endroit convenable pour parler de ces choses-là. Bien, moi je l'adore, ce bras, parce qu'il est toujours un peu comme ça. Là. Bon, alors, vous avez gardé, vous, en tous les cas, vous me l'avez dit, ça, une grande amitié pour François Mitterrand, malgré les révélations sur son passé vichiste et son amitié avec Bousquet, vous avez continué à être son ami. Mais attendez... Il ne faut pas prendre les grands mots. François Mitterrand a bien voulu que je sois pas trop loin de lui et de sa famille, ce qui a été pour moi une grande émotion. Le jeune homme que j'étais était très impressionné de voir un homme de cette densité. Moi, j'ai respecté, je respecte encore François Mitterrand, y compris pour ce qu'on lui reproche. Mais l'amitié avec Bousquet, par exemple. Mais écoutez, les grands mots, tout c'est à une autre époque, à l'époque où Bousquet voyait François Mitterrand, il avait la Légion d'honneur remise à sa boutonnière. Oui, il avait été blanchi à la Libération. Mais d'ailleurs, cher Thierry, vous savez tout cela, vous me le faites redire. Alors, je le dis très tranquillement, François Mitterrand était tout sauf antisémite, François Mitterrand était entouré de juifs magnifiques. J'ai eu dans ma vie un maître à penser qui s'appelait Emmanuel Berle. Je ne suis troublé en rien par le passé de François Mitterrand. Ouais. Bien, alors, vous l'avez appris quand, ça? Quoi? Bah, l'histoire de Vichy, le bouquin de Péan, tout ça. Je vais faire la même réponse. Il s'évade trois fois, il arrive à Vichy comme beaucoup de gens. On ne les accuse pas d'être vichistes. Bon. Il a 20 et quelques années. Il est prisonnier de guerre évadé. Il travaille dans un service qui récupère les prisonniers évadés. Et moins d'un an plus tard, on le trouve dans des réunions de résistance. Bien. Alors on va voir, hein, on va parler de votre émission de télévision. Vous savez comment on fait? Comme ça. Donc voilà, donc vous revenez sur France 2. Oui. Demain à 12h05. Oui. Ça s'appelle Chanter la vie. Oui. C'était bien la peine de vous virer en même temps. Ça vous en parlerait à vos chefs. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Michel. Vous êtes réconcilié avec Michel Cotard? Moi, j'ai pas été fâché. Moi, je l'aime beaucoup. J'étais un peu vinaigre quand même. Non, même pas, parce que moi, je ne peux pas me déprendre du charme de Michel Cotard. Et puis, je l'ai beaucoup vu, c'est une grande journaliste. Alors, évidemment, elle m'a eu au charme. Je trouve que ce n'était pas une bonne idée. C'est vrai qu'elle a beaucoup de charme. Mais oui, donc moi, dès que je suis deux minutes avec elle, c'est ce qu'on fait dès qu'on est deux minutes avec Michel Cotard. Ouais. On parle de François Mitterrand. Ah oui. Et on en dit des choses gentilles. Alors, la première, vous faites Sheila. C'est-à-dire que... Dites-moi en quoi ça défend la chanson française. C'est une
Je vais vous dire, Thierry, c'est une femme magnifique. Je trouvais qu'elle était près de moi, c'était bien. Elle va chanter, ce qui est plus original, elle rechante que depuis 3 ans. Elle avait fait son retour sur France 2 dans mon émission, lorsqu'elle a chanté après ses adieux. On est devenus amis parce que c'est vraiment une fille bien, je viens de le dire. Et je lui ai dit, écoute, viens, on te revoit à la télévision chanter. Et moi, j'aime bien être un peu décalé. Je lui ai dit, c'est pour chanter encore un truc à toi. Ouais. Et elle a très gentiment, elle va chanter une chanson de Mouloudji et une chanson de Brassens en direct. Avec les musiciens. Alors là, je trouve que c'est... Ah oui, d'accord. Vous prenez Sheila, mais vous lui faites chanter devant le public. Voilà. Oui. Et donc, je trouve que c'est... Voilà, c'était gentil. J'avais envie d'avoir une femme de cette qualité à côté de moi pour le premier jour. Bon. Donc tout va bien. Je parlais du patrimoine, chanson française. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette émission. Si vous êtes réveillé, vous jetterez un œil. Ah, mais je regarderai, non, bien sûr. Mais je suis réveillé dimanche, mais à midi, quand même. C'est fini, tout ça, parce qu'à l'époque où je me couchais tard. Oui. Ted Drucker m'avait dit, si tu veux durer à la télé, hein, Michel, il m'avait dit, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de fumer, hein, vous connaissez Drucker, il a fait pareil. Faut que tu manges des pâtes. Donc je mange des pâtes, Michel, je fais tout ce que tu dis. Il n'y a qu'un truc que je ne ferai pas, c'est tapis rouge. Bon, donc voilà, tout est under control, c'est demain. Voilà, demain à midi, et puis ce sera tous les dimanches, si tout va bien. Si tout va bien. Voilà, je fais un truc sympa, mais ça va être une autre tonalité, parce qu'il n'y a jamais eu à cette heure-là de variété, quoi. Alors, puis le public est très mouvant, il y a beaucoup de gens de toute génération qui passent. Voilà, c'est un pari, je vais le faire, simplement avec mon ton à moi, et s'il y a des gens beaucoup qui le regardent, je serai content. Bah voilà, donc on regarde tous Pascal Sevran demain oui, midi, absolument. Ça lui fera plaisir. Oui, ça me fera plaisir. Et faire plaisir à Pascal Sevran, c'est important. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors vous continuez à écrire quand même, hein. Oui, tous les jours, vous êtes beaucoup plus courageux que moi. Ah oui, ça, hein. Je dis ça à mon éditeur, là. Il faut trouver le temps un peu. Non, mais comment vous faites? C'est merveilleux, là, d'arriver à écrire tous les jours. C'est-à-dire que j'ai bien organisé les trucs, quoi. Je déjeune pas. Oui. Donc c'est déjà depuis très longtemps. Ça fait des économies, ça fait mincir et ça permet d'écrire. Oui, c'est pas mal. Et puis, oui, parce que écrire, c'est très important. Donc j'écrivais avant la télévision, j'écris pendant la télévision et j'écrirai probablement après. Et là, c'est moyen d'expression différent. Si on veut venir me trouver, on vient me trouver dans mes livres. C'est un petit peu différent. Et j'ai besoin de cet équilibre entre le métier public, où nous sommes là en train de bavarder joyeusement, et puis le silence de l'écriture qui compte beaucoup pour moi. Mais ça marche, les gens viennent vous retrouver, comme vous dites. Là, le dernier bouquin, vous en avez vendu combien? 200 000. C'est énorme. Eh, ça fait du pognon, hein. Vous savez très bien qu'on n'écrit pas les livres pour avoir... Oui, oui, mais vous avez raison. Ouais. Mais... on écrit pour autre chose. Ouais, bien. Surtout celui-là. Alors vous dites, je publierai un nouveau livre tous les 4 janvier. Oui. Jusqu'à ce que je ne sois plus en état de le faire. C'est pas mal comme idée, je pensais à ça. Tous les 4 janvier, on sait, voilà. C'est-à-dire que le 5 janvier, vous êtes invité dans l'émission, je vous le dis tout de suite. Pourquoi le 4? Pourquoi le 4? Je sais pas. C'est une date anniversaire de la naissance de Stéphane, donc je trouvais que c'est... Ouais. Et comme le premier livre est sorti comme ça, c'était joli. Je ne suis pas très fétichiste, mais je trouvais que c'était... Ouais, c'est un symbole, quoi. Je trouvais que c'était... Vous êtes remis de ce drame pour vous qui a été non. Non, mais je suis content de chanter, je suis content d'être là. Non, mais vous avez l'air quand même... Non, non, ça va, ça va, ça va. Ouais. Vous prenez sur vous. Ben oui, il faut se tenir convenablement, sans ça, on ne se montre pas à la télévision, et puis les gens qui regardent sont contents. Non, puis je suis en vie. C'est tout à fait étonnant d'être en vie, quoi. Ouais. Alors, c'est pas mal. Le fait d'être en vie, c'est pas mal. Vous avez déménagé, quand même. Ah oui. Hein? Oui, je suis content. C'est bien, l'île Saint-Louis? Oh, oui, c'est très, très bien. Je suis comme un fou, j'aimais plus Paris du tout. Ouais. Mais là c'est le vrai Paris, là. Ah bah oui, là, je suis vraiment comme un gamin. Vous êtes dans une carte postale, là, oui. Ah oui, c'est plus qu'on peut imaginer. J'étais jamais allé avant, mais je voulais battre tout le temps. Là, je suis comme, comme un gamin qui joue avec les bateaux sur la Seine. C'est très, très beau. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais vous les faut tous, vous, quoi? C'est quoi cette histoire là? Mais non, mais moi je suis émue, excusez-moi, je suis quelqu'un de sensible. Ouais. Enfin voilà, et puis Ah oui, c'est de l'émotion. D'accord. Voilà. Non, parce qu'il y a Jean-Christophe qui commence à être jaloux là. Mais Renaud, le Mitterrand, Renaud. Ouais.